Vaste sujet revêtant des enjeux sociétaux forts, les migrations sont aujourd'hui au cœur du débat public. Hier comme aujourd'hui, les personnes migrantes se déplacent par nécessité, à la recherche d'espoir, fuyant les nouveaux conflits globalisés, les inégalités sociales et la crise environnementale, conséquence notable des récentes mutations du système capitaliste. Aujourd'hui, une personne sur 30 sur la planète est un migrant et fait l'expérience de multiples formes de mobilité humaine. Aujourd'hui, pour la première fois depuis les grandes conflagrations du siècle dernier, nous approchons du nombre de 65 millions de personnes déplacées de force et réfugiées. Réunis début novembre 2018, personnes migrantes et organisations de défense des droits des migrants impliquées dans les diverses parties du monde se sont rencontrées à Mexico dans le cadre du Forum social mondial des migrations. Parmi ces dernières, nous, le GRDR Migration, Citoyenneté et Développement et l'association Masada, étions du voyage et nous vous livrons les résultats de notre participation à ce forum international. Bueno, el objetivo es ayudar a construir una visión, una nueva visión de la migración, que ponga en la perspectiva los derechos humanos de las personas y no de las cosas, incluirlos en todas las decisiones que participen, no tanto en el sentido nada más de la normatividad internacional, sino de la solidaridad de todos los pueblos hacia este fenómeno. Que hoy ya no es una cuestión de migración o una cuestión de refugio, sino hoy lo que enfrentamos es una situación de desplazamiento de más de 1.000 millones de seres humanos, unos externos, otros internos, pero por las razones sistémicas han tenido que salir de su país de origen y están en el mundo luchando por su sobrevivencia. Well, I think it's really amazing to be here with people who are from all around the world. There are people who are involved in supporting migrants, people who are migrants, people who are activists, and so there's this kind of mixture of humanitarian, political, social investigations. Des murs se dressent, des persécutions, l'érosion du droit à la mobilité. Refus de l'immigration, toutes ces manifestations sont le fruit des témoignages que nous avons attentivement écoutés. La question des migrations, c'est vraiment une question, tout comme la question du changement climatique qui se pose au niveau mondial. Et partout dans le monde, on voit que si les gens sont forcés à la migration, pour ceux qui le sont, c'est parce que leurs droits sont violés, parce que le néolibéralisme écrase leur mode de vie et leur façon de vivre. Et que ce soit la souveraineté alimentaire, la justice fiscale, la régulation des multinationales ou l'impact du changement climatique sur leur mode d'existence, c'est pour ça en fait que les gens sont poussés à la migration. Par rapport à la situation des migrantes subsahariennes en Tunisie, d'abord c'est une question taboue, parce que souvent ce sont des clandestins ou bien ce sont des gens qui viennent en Tunisie mais après ils trouvent dans une situation irrégulière. Et illégal, si on peut dire illégal, parce que normalement, par la philosophie des droits de l'homme, ils ont le droit d'être là, vous voyez. Donc, je préfère dire irrégulière plutôt que illégal. Mais ce sont une vraiment catégorie qui sont dans une situation très vulnérable, très précaire, exposée à des risques dans la société, mais à des risques aussi face à la politique adoptée par l'État. Cette population, soit des étudiantes, soit des demandeurs de travail, se trouve dans une situation qui n'ont pas le droit au travail, qui n'ont pas le droit à la sécurité sociale, qui n'ont pas le droit à avoir une maison même, de louer une maison parce qu'ils n'ont pas déjà un carte de séjour, ils n'ont pas de séjour en Tunisie. Ils n'ont pas le droit à la santé. Ce sont des droits vraiment basiques. Bueno, en estos momentos, la caravana que viene del sur, que viene de Centroamérica, que incluye hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y también mexicanos del sureste. Es una expresión de la crisis de la migración que enfrenta la humanidad. Una humanidad que no entiende cómo responder a esta cuestión de la migración. En unas partes hay expresiones de solidaridad, en otras partes hay expresiones xenofóbicas,
pero en su conjunto la sociedad no sabe qué hacer con los migrantes. Entonces, pero para nosotros esta caravana es un momento muy especial porque es lo que nos puede ayudar a la sociedad a entender exactamente las dimensiones de la crisis migratoria y cómo responder ante esa crisis. Novembre 2018, alors que se tient le Forum mondial social des migrations auquel nous participons, des centaines de personnes migrantes originaires du Honduras et du Guatemala ont décidé de marcher ensemble dans l'espoir d'atteindre les États-Unis via le Mexique. Bartolo Fuentes, journaliste indépendant du Honduras, a participé à la marche et témoigne de son expérience. Détenu plusieurs jours par la police guatémaltèque, pour délit de solidarité, il revient sur cette mobilisation. Yo estuve acompañando la caravana de los migrantes desde que salieron de San Pedro Sula y precisamente del 12 de octubre hasta el 16 de octubre, que ya se estaban internando en territorio de Guatemala, pero no pude continuar porque ahí fue detenido por la policía de Guatemala. Luego fui llevado hasta la capital, a 250 kilómetros, y me tuvieron 4 días en su poder. Esto por información del gobierno de Honduras, acusándome de ser como el promotor, el organizador. Luego yo me entero que el lugar donde me tuvieron detenido fue reforzado con la policía de Guatemala, porque según tenían ahí a un traficante de niños y a un tipo peligroso. Entonces la gente dice, ¿qué hago en Honduras? ¿Me voy? No tengo trabajo, no tengo un pedazo de tierra, no tengo una casita donde vivir, me están sacando de donde vivo porque ya debo 3 meses de alquiler. ¿Qué hago en Honduras? Toma a sus niños, ¿verdad? Su poquita ropa que tiene y se va. Porque dice, me dicen que hay riesgos, puede ser cierto. Pero cualquier riesgo que vaya a enfrentar en el camino no será peor de lo que ya estoy viviendo en el país. Quieren criminalizar también ser solidario con los migrantes. Es decir, les iba a dar comida. Si yo tuviera dinero, si tuviera recursos, que no los tengo porque soy un periodista pobre, ¿verdad? Yo le daría, y eso no es delito. Facilitarle transporte a un migrante, darle comida, darle albergue, darle vestido, no es un delito. Pero el gobierno de Honduras lo quiere criminalizar. ¿Todo para qué? Para no aceptar las causas reales por las cuales está marchando la gente del país. Para no aceptar que esa pobreza que llega a casi el 70% de la población y esa pobreza extrema que es la mitad de esa población. Un exemple illustre parfaitement les causes et les effets de la crise migratoire mondiale, le Niger. Hassan Boukar, de l'association Alternative Espace Citoyen, nous en explique les enjeux. Le Niger est un pays cible des politiques européennes, puisque c'est un des principaux couloirs de passage des migrants en direction du Maghreb. Les Européens mettent de l'argent sur la table, notamment les fonds fiduciaires, et demandent en contrepartie au Niger de fermer les passages vers l'Algérie et la Libye. Ces passages étant supposés comme des passages des migrants en direction des côtes européennes. Aujourd'hui, la situation qui se passe, c'est que le Niger joue à plein ce rôle que lui a confié l'Union européenne, celui du gendarme du Sahara, fermer les portes en violation, bien sûr, des droits des migrants, des droits à la libre circulation, mais aussi des textes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui font la promotion de la libre circulation entre les 15 pays membres de l'espace CEDEAO. C'est vrai que la question du changement climatique est une question globale aujourd'hui, elle concerne tous les pays du monde, ceux qui polluent comme ceux qui ne polluent pas ou ceux qui polluent moins. Et là, le Niger est un pays qui est couvert par le désert sur près de 2 à 3 quarts de son territoire. Et du coup, on constate aujourd'hui des mouvements de population, des zones plus au nord qui sont les zones les plus affectées par le changement climatique, parce que le niveau de précipitation ne permet pas de pratiquer certaines activités comme l'élevage. Et donc, il y a une descente des populations vers la bande sud, frontalière avec le Nigeria, où il y a encore un minimum de conditions de vie.
Oui, nos moulettes là. Oui, nos moulettes là. Oui, nos moulettes. Los migrantes, no somos criminales, somos trabajadores. L'un des moments les plus forts de ce forum a certainement été la rencontre avec la caravane des mères et des familles de disparus. Ensemble, ces mères sont toutes à la recherche de leurs enfants ou de leurs conjoints, partis en migration et dont la piste se perd sur les routes de l'exil. Autour du cou ou dans la main, toutes affichent la photographie de leurs proches portés disparus. Ces mères et ces proches de disparus cherchent la vie sur le chemin de la mort. Le parcours de Margarita l'illustre parfaitement. Mi nombre es Margarita López. Soy madre de Yajaira Guadalupe Baena López, una niña de 19 años desaparecida en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el 13 de abril del 2011. Soy una madre que inició con la guerra que emprendió el expresidente Felipe Calderón contra los mexicanos. Mi hija fue sacada de su domicilio por un comando armado de los Zetas, donde estuvieron involucradas autoridades militares, federales, estatales y municipales. Mi hija, nadie quiso buscarla, como todas las madres del país en ese entonces. Nos decían que eran hechos aislados. Y entonces, como madre, tuve que enfocarme a la búsqueda personalmente de mi hija. Las madres en México, ¿cómo tenemos que empoderarnos? Si tienes los medios económicos, puedes buscar a tu familiar y puedes llegar a dar con tu familiar. Si no tienes nada, la autoridad te cierra la puerta. Aquí las puertas se abren en México solo con dinero o con influencias. De ninguna otra manera puedes dar con el paradero de tus hijos. Tuve que pagar mucho dinero para poder saber quiénes habían secuestrado a mi hija, cómo la habían torturado durante 10 días. Durante 10 días la tuvieron sin comer, durante 10 días 30 de ellos la violaron, la vejaron, para finalmente llevarla a un lugar muy lejano de Oaxaca, en la Sierra de Etla, y decapitar a mi hija. Hay miles de madres que no tienen ni siquiera para comer. Hay miles de madres en México que siguen buscando a sus hijos desde su casa, con la esperanza de que alguien pueda dar con ellos. Desgraciadamente, miles de ellas tienen miedo a denunciar. Y entonces se ha estado manejando una cifra en México de 37.000, 38.000 desaparecidos. Es mentira. Son más de 360.000 desaparecidos. A raíz de la desaparición de mi hija, me dedico a abrir fosas clandestinas con mis propios recursos, a recuperar cuerpos y hacer lo posible porque las madres vean las fotografías. Algunas de ellas se identifican por las ropas, obligamos a las autoridades o a veces nos apoyan algunos laboratorios independientes de ADN y entonces podemos saber que son los hijos de ellas y podemos ayudarles para que les den cristiana sepultura. Pendant que les migrants traversent les pays, restent bloqués aux frontières, certaines entreprises tentent de tirer profit de cette situation. Ces 20 dernières années, le contrôle des frontières et des personnes exilées est devenu un vrai business très lucratif. Nous sommes allés à la rencontre de Nick Buxton, spécialiste du sujet. Il y a une whole infrastructure of, I'd say an infrastructure of control right now that's been put in place to under a kind of a paradigm security that we need security at all costs against migrants. And so this infrastructure is manned by a large number of transnational companies. So you have your companies which are militarizing the borders, providing the drones, providing the sensors, the motion detectors, the radar. You've got the, and that's not just on our European borders, but we're also exporting that to all the countries around Europe. And then we have the infrastructure of detention, the prisons that are within the states. And many of them are also private companies. Our main report is saying that these companies are not only benefiting from the migrant crisis, they're also pushing the policies that actually create, that are creating migrants. They're pushing for a security solutions. They're constantly saying we need more militarization to the crisis, and they're never tackling the causes of crisis. And I think there's this one example that we have in our report, which is we looked at the three biggest companies that sell arms to the Middle East and North Africa. They are Thales, Airbus, Safran, and Leonardo, which is an Italian company. And they are selling arms, they're the biggest seller of arms, and they're also the biggest winners of contracts to militarize the borders. So they're causing the refugee crisis by
adding to all the arms that are flowing and causing the conflicts. And then they win the contracts when people fleeing those conflicts come to Europe. They are then stopped by drones, by even robots that are designing on the borders, by fences and militarized guards, by vans and tanks provided by these same companies. So I really think we need to kind of look at this infrastructure of control if we're going to come up with more humane responses to the crisis that is leading many people to leave their homes. De nombreuses organisations et migrants sont intervenus sur la question de l'Alliance mondiale en faveur des migrants et de la protection de leurs droits. Et une attention particulière fut portée sur le texte du pacte mondial. Parmi elles, des techniciens, des spécialistes, des professionnels, des universitaires et acteurs institutionnels ont apporté leur expertise sur la question migratoire et sur le pacte mondial. Nous sommes en réalité très très critiques vis-à-vis de ce pacte mondial parce que ce pacte mondial, malgré les déclarations d'intention, parce qu'il est rempli de déclarations d'intention soi-disant généreuses vis-à-vis des migrants, en réalité, c'est un pacte mondial qui constitue une régression sur le plan des mécanismes de droit international. Parce que ce pacte, il fait référence à un certain nombre de conventions internationales et il exclut une convention fondamentale, c'est celle de la Convention internationale des droits des migrants et de leurs familles, qui est une convention de référence par rapport qui met les États signataires en obligation de rendre des comptes. Mais les pays du Nord, ils n'ont pas signé cette convention. Et ils se sont arrangés, en réalité, dans ce pacte mondial qu'ils vont le signer à Marrakech pour exclure complètement la convention internationale. Et ça, c'est une régression pour nous inadmissible au niveau du droit international. Nosotros como Vía Campesina estamos en contra de este pacto porque este pacto lo único que hace es de ver a los migrantes como una amenaza para las sociedades de los países económicamente poderosos, pero también como un flujo de mano de obra que puede servir a la economía de los países del norte. Aucun État qui va signer ce pacte n'est obligé de mettre en œuvre ce dont il s'est engagé. Ce pacte n'est pas à la hauteur pour répondre à la situation dramatique que vivent les migrants actuellement à travers le monde. Un peu partout dans le monde, le droit à la mobilité est donc remis en cause, plaçant les personnes migrantes dans des positions de citoyens de seconde zone. Mais cet état de fait n'est pas immuable. En réponse à ce constat amer, les personnes en migration s'organisent pour faire valoir leurs droits. Aidées par des ONG, des associations et des citoyens solidaires, elles défendent une autre vision des migrations, basée sur l'hospitalité et l'égalité, et où l'étranger ne serait pas continuellement considéré comme un danger. Si alguien se está ahogando, primero le va a preguntar si tiene documentos o no, o cómo es la cosa. Nosotros tenemos derechos humanos porque somos humanos. Se mira que caminan dos piernas y habla y todo eso. Es gente, tiene derechos de gente. No necesita ni pasaporte, ni visa, ni ningún documento para tener derechos humanos. Eso es lo que tenemos que hacer prevalecer. Si se hace así, no hay más desaparecidos. No hay más gente muriendo en el camino. No más México convertido en cementerio de los hondureños y de los demás centroamericanos. Incluso gente de otros países del mundo que llegan a Centroamérica y desde ahí emprenden su viaje para llegar a Estados Unidos. One of the things I'm taking home is that against this infrastructure of security and militarization, there are also an infrastructure of hope and solidarity. You know, the Casas de Migrantes, these really amazing spaces where people are supporting migrants, but also educating to looking at the causes, politicizing, so that migrants aren't just victims, but are also subjects of their own destiny. I think if we can replace an infrastructure of security and militarization with an infrastructure of hope and solidarity, then we can really start to tackle the actual structural causes of migration. Decir que la caravana es una expresión de algo que entendemos nosotros como la resistencia de los desposeídos. Los pueblos se resisten a desaparecer y tienen que dejar a sus familias, a sus comunidades, su tierra, su historia, su cultura, para intentar sobrevivir. Significa
que todavía hay esperanzas en este mundo, que todavía seguimos siendo gente, que no todos preparan un ejército con fusiles de guerra para detener a madres que van con sus niños en los brazos, que hay humanidad y hay esperanza. Il y a des formes de résistance comme ça, magnifiques, collectives, qui donnent de l'espoir parce que malgré le contexte, il y a de l'espoir et de l'énergie positive. Je considère qu'en venant à Mexico, à la fois nous portons, malgré le contexte difficile, notre message militant, notre engagement aux côtés des migrants en Afrique, mais aussi un peu nous enrichir des expériences des autres qui sont là. Malgré les difficultés, je pense que nous devons tous nous resserrer ensemble, nous battre ensemble, renforcer la solidarité afin que la migration reste aujourd'hui et demain un droit.